dans cette leçon, on va commencer par apprendre à télécharger le logiciel OBS Studio. Vous remarquez qu'en fait, il existe déjà sur mon ordinateur, puisque je vous montre cette vidéo. Mais je vais vous montrer comment on fait pour le télécharger, si vous ne l'avez pas. Alors déjà, je vais prendre un navigateur Internet. Je vais prendre Firefox parce qu'il est libre. Je vais supposer que je ne sais pas où se trouve le site web de ce logiciel. Donc, je tape OBS Studio chez Google. Et puis, je vais voir qu'il existe un site web dédié à ce programme. J'ai même un téléchargement ici. Je choisis, alors évidemment si vous êtes avec Windows ou si vous êtes avec macOS, vous choisissez un des deux. Avec Linux, vous pourriez choisir ça, mais je vous recommande de faire différemment parce qu'en fait, il est déjà dans les packages à installer. Donc avec Linux, c'est plus facile encore. Donc prenons Windows. Oui, et il faut télécharger là. Il me propose d'installer le programme, enfin de télécharger le programme. Je dis qu'il faut l'enregistrer. Je le mets par exemple sur le bureau. Je vais donc sur bureau ici, enregistrer. Et puis on le voit apparaître ici. Le téléchargement prend un moment. Et puis enfin, quand on a enfin terminé, on ferme notre navigateur. Par exemple maintenant. Et puis on n'a qu'à ouvrir ce programme-là qui est un fichier exécutable, donc normalement il faut cliquer deux fois et on a bienvenue, etc. Puis vous suivez. Une fois que vous devez faire ça, vous devez être administrateur, c'est-à-dire qu'il vous demandera le mot de passe administrateur à un moment donné. Il faudra donc demander de faire ça si vous êtes à l'école à l'administrateur de votre machine. Voilà. Merci de m'avoir écouté.